Chapitre 2, haute sphère, un peu de détente, au cœur de la galaxie fort lointaine. Coruscant est le joyau de la République galactique, ses immenses gratte-ciels s'élèvent au-delà des nuages et plongent leurs racines dans un monde ténébreux au-dessous de la surface. Un enchevêtrement de lumière artificielle et d'hologrammes fait miroiter à une myriade extraterrestres des divertissements en tout genre. Allez, c'est parti! Et c'est parti! Gloom travaille près d'un entrepôt. Sois prudent, il est protégé par un gang local. D'ailleurs, certains sont recherchés, morts ou vifs. Et nous voilà sur Coruscant, la capitale de la République Galactique. Eh oui, parce que comme a dit Jango Fett dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, quand il parlait avec le maître Jedi Obi-Wan Kenobi, je ne suis qu'un modeste humain qui cherche à faire son chemin dans la galaxie. Ce chemin vous aurait-il déjà mené sur Coruscant? Oui, parfois. Ces derniers temps, possible. Pour ceux qui s'en souviennent, hein. Et alors vous voyez, ça j'adore, c'est super sympa, mais on peut rentrer dans notre vaisseau, enfin du moins dans le premier vaisseau de Jango Fett là. Vous voyez, on peut rentrer dedans, on peut explorer un petit peu. Bon, il est très petit, hein, c'est pas le Slave One ou le Faucon Millenium, hein. Voilà, il est un petit peu plus petit, c'est plus limité en termes de pièces, hein. Alors attendez. Ah oui, non, là je pensais qu'il y avait un truc ici, mais non, là il y a rien. Donc voili voilou voilà. Bon allez, du coup on va y aller. Alors voyons voir déjà les primes. Alors voilà, optionnel, les primes secondaires. Alors déjà objectif principal, localiser l'entrepôt de Jervis Gloom et pas Jervis Tetch, hein, alias le chapelier fou dans à Gotham City dans l'univers de Batman. Optionnel, prime secondaire 0 sur 15. 15 criminels recherchés sur Coruscant à livrer à la justice. Eh ben, ça va faire pas mal d'actions, pas mal. L'ambiance va être tendue, dis donc. Bon, allez, voyons voir ça. Allez, je vous laisse en immersion totale, évidemment. Ah tiens, on dirait qu'on a trouvé une danseuse exotique Twi'lek qui est recherchée. Voyons voir ça. Recherchée vivant. Binka Fibuna. Vivant 3500 crédits, mort 0 crédit. Ah ouais, carrément. Espèce Twi'lek, sexe féminin, complice connu, membre du convoi de la liberté. Dernière position connue, astroport du noyau. Information déserteur sur Naleta. Client Kappa le Hutt. Eh ben allez hop. Cible marquée. Et du coup... Allez hop, capturé! Hop, et livré à la justice, prime réclamée 3500 crédits. Ah, bah ça commence bien. Bon, allez, continuons d'analyser le profil des citoyens de Coruscant pour trouver de la chair fraîche à livrer à la justice.
Alors, recherché mort ou vif, Marthe Ringatz, vivant 3000 crédits, mort 1500 crédits, espèce Ichitib, sexe masculin, complice connu aucun, dernière position connue corruscante, information sujet impliqué dans le vol de plusieurs bijoux appartenant à des dignitaires sulustéens en visite sur Datwin. Ah ouais, carrément un voleur de bijoux, client, force de sécurité de la République. Et bah allez hop, cible marquée, et du coup, hop là, capturé. Et livré à la justice. Prime réclamée, 3000 crédits. Parfait. Allez, on continue. Recherché vivant, 3500 crédits, Uejo Itewa, alors désolé si j'écorche le nom, espèce humain, sexe masculin, complice connu, Stu Empower, dernière position connue, zone des spectacles de Coruscant, information suspectée d'acheminer des produits de contrebande dans plusieurs systèmes, ah allez, un contrebandier, super, client service de renseignement du Sénat, et bah allez hop. Attendez, je peux pas, ah bah si, oui, je crois que je l'ai déjà marqué, ah oui c'est vrai, et bah allez hop. Capturé et livré à la justice. Prime réclamée, 3500 crédits. Parfait. Oh oh. Thank you.
pas d'un naga. Oh,
Ciota. Bosca! Chi ha assado pugno? Thank you.
Laissez-moi tranquille. De la boîte de nuit. Il faut être membre pour entrer. Alors essaie de persuader le barman de te laisser monter. Vous savez quoi ? Je cherche quelqu'un. Vous êtes au bon endroit. Un dealer de bâtons de la mort. Il vient d'entrer ici. Beaucoup de monde entre ici, mon ami. Écoute, l'ami, je t'offre une chance de sauver ta boîte. Pitié, ne tirez pas ! Je suis qu'un employé ! Hé, je veux pas d'ennui. C'est un établissement honnête ici. Bien sûr, alors où est-il ? Il a pris l'ascenseur qui mène au casino. Appelle l'ascenseur. Ok, ok, une minute. Il descend. Alors voyons voir ça. Rechercher vivant Jervis Gloom, vivant 5000 crédits, mort 0 crédit évidemment, espèce humain, sexe masculin, complice connu trafiquant de bâtons de la mort, gang de Clatwin, dernière position connue Coruscant, information trafiquant de bâtons de la mort, recherché vivant, détient des informations sur un réseau de contrebande de Coruscant, client police de Coruscant. Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse ? Tu ne vends pas de bâtons de la mort. Je ne vends pas de bâtons de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Allez hop, capturé. Pour qui tu travailles ? Hein ? Je te dirai rien. J'en ai rien à faire de ta petite gueule de fouine. Je cherche quelqu'un d'autre. Alors tu parles ou tu meurs. Ok, ok. Je bosse pour Grove Hogg. Il tient une usine d'emballage de nerfs dans le secteur industriel. Je vais t'y emmener avec mon speeder. Et voilà, niveau terminé, chapitre 2, haute sphère, un peu de détente, durée 20 minutes, ennemis tués 60, civils tués 1, dommages collatéraux, désolé. Prime secondaire au total 9, et oui, on a capturé 9 criminels recherchés sur 15 là dans la... bah sur Coruscant là. Au total des gains, 25 500 crédits, ah, avec ça, je pense qu'on peut se payer un nouveau vaisseau, non ? Secret trouvé, bah malheureusement on l'a pas trouvé, mais c'est pas grave. Allez, cinématique, de suite, on continue, c'est parti. Chapitre 2, haute sphère, la zone industrielle. Dans l'atmosphère irrespirable de la zone industrielle de Coruscant, on trouve les plus grands complexes de la galaxie. Ici, on produit des droïdes, des pièces détachées et même de la nourriture. Dans l'immense usine d'emballage, des nerfs et du détail sont mis à mort, dépecés et congelés avant d'être envoyés vers d'autres systèmes solaires. Ces entreprises servent souvent de paravent au crime organisé. Et c'est parti! Est-ce qu'on doit monter la garde ici? Le boss a peur de se faire piquer ses nerfs surgelés. C'est pas des nerfs qu'on garde, crétin. Hey, tu restes poli, ok? Je suis nouveau, on m'a pas mis au parfum. Alors, qu'est-ce qu'on surveille? Des bâtons de la mort. Des bâtons de la mort? Chut! Parle moins fort. Oh, bah, je savais pas. Des bâtons de la mort. Ouah!
Quelle horreur! Rose, t'as toujours un droïde d'analyse chimique dans ta station? Il n'est plus tout jeune, mais il est connecté aux bases de données de contrebande de la République. Pourquoi? Quelque chose me dit que ces bâtons de la mort sont particuliers. Je te transmets un échantillon. Tiens-moi au courant. Oh, c'est bizarre. C'est le speeder de Gloom. Mais lui, je le vois pas. Il est où? C'est qui, Gloom? Il doit passer prendre une commande. Oh, je le vois. Une commande. J'ai pigé. Je devrais avertir le boss. Attends ici et ouvre l'œil.